Salut à toutes et à tous, c'est Inkycraft et aujourd'hui on se retrouve mes chers amis pour l'épisode 7, hein, normalement, hein, si je suis bien le cours de ma chaîne, hein, bien évidemment. Et donc du coup on est toujours dans le monde des robots, hein, le monde cybernétique des oiseaux. Allez comprendre comment des oiseaux se sont transformés en robots, c'est le what the fuck le plus total mes chers amis. Et du coup dans cet épisode, eh, on va essayer, je dis bien essayer de finir ce monde, hein, parce que hein, la complexité fait que... voilà, on va mourir là par exemple. Non, ça va, tout va bien. Il nous renvoie encore un boulet. Bon, ok, y a pas de souci. Des boulets d'en haut, des boulets d'en bas. Ah, c'est maxi difficulté. Hop là, c'est parfait. Du coup, on va attendre. On va pas se ramasser des petites étoiles dans la gueule, s'il vous plaît. Hop, tout va bien. Et donc, du coup, on est parti pour un bon petit 20-25 minutes, mes chers amis. Bien évidemment, qui va déborder, sur du 30 minutes, hein, comme d'hab, hein, vous connaissez, hein, maintenant. Donc du coup, on va essayer de terminer le monde là aujourd'hui, mes chers amis. J'aimerais bien terminer le jeu en, disons, 2-3 épisodes grand maximum, hein, parce que bon, c'est pas que le jeu m'agace, pas du tout, mais c'est vrai qu'on va pas faire traîner les choses plus longtemps. Le jeu est très très bien en soi, mais il serait peut-être pas forcément très très utile de durer 20 ans sur le même jeu, mes chers amis. Mon but est bien évidemment pas de le finir à 100% et n'est pas bien évidemment de le finir le plus vite possible non plus, mais disons que... Ah d'accord, ok, je me suis pris le piranha juste au dernier moment, excellent. Bravissimo, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, nous sommes au boss, hein, n'est-ce pas? Le boss 4, hein, le boss du monde 4, mes chers amis. Toujours avec ses 11 pièces sur 50, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci avec ça. Push any button. Ok, il n'y a pas de souci avec ça, hein, c'est comme d'hab. Hein, please wait, hein, il est en train d'enregistrer. Tout se passe conformément comme il faut. Du coup, nous sommes au quatrième boss, mes chers amis. On va voir un petit peu quel est son pattern. Et du coup, on va le dégommer, passer au monde 5, qui sera le dernier monde. Donc on verra bien. Ah! Hologramme, d'accord, à lui il se paie du chic, hein. What the... Ah, c'était quoi ce son qui a fait ping? Pas trop compris. Ok, d'accord. Bon, jusque là, il suffit bien évidemment de lui taper sur la tête. Il y a des drôles de sons là de temps en temps, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Oh d'accord, il fait tomber des plumes, du coup je regardais mon record. Ok, d'accord. Ah, des plumes explosives mes chers amis. Ça tombe bien, ce son m'a complètement dérouté, veuillez m'excuser, hein, j'entendais un pack comme ça, une sorte de claquage au niveau du son. Je sais pas d'où vient le trip. Bon, encore. Ah, il peut pas faire un son moins fort, le développeur. Putain, il a raillé, là, sur ce truc. Il a complètement déraillé, le pauvre. Hop. Bon, du coup, on va essayer d'éviter. Encore. D'accord, c'est lui qui fait ce bruit-là, en fait. Bon, ok, maintenant, je suis au courant. Pas de soucis avec ça. Ok, what the... Je peux savoir, c'est quoi que... C'est pas les plumes. Ok, d'accord, je me suis tellement fait distraire, mes chers amis. Il envoie des bombes, donc je suppose que les plumes, on peut y aller dessus, hein. Bon, du coup, ce jeu est imprévisible. Non seulement il vous envoie des trolls, au niveau, j'ai envie de dire, des levels, hein, n'est-ce pas, des stages. Mais non seulement, en plus, il vous envoie des trolls avec ses sons horribles. Même excusez, c'est pas de ma faute, hein. Le son est pourtant très très bas, donc ne demandez pas si on met le son à fond. Alors là, si on met le son à fond, bah, c'est fini. Encore. Bah, c'est vraiment perturbant comme son. Le développeur a fait un petit peu des choses bizarres. Encore ? Ouais, mais les bombes, je les vois pas partout, en fait. Hein. C'est assez spécial. Bon, on se concentre, mes chers amis. Ce coup-ci, c'est bon, on est parti, on y va maintenant. Je dis pas que je vais pas tryharder. L'épisode d'aujourd'hui sera basé sur le boss. Voilà. Le titre de l'épisode s'appellera « Le boss cybernétique au bruit agaçant ». Très bien. Y a pas de souci avec ça. Comme ça, c'est conforme, hein. Y a pas de problème légitime, ce genre de choses. Bon, on va se caler sur l'autre côté. Ah, ce son m'énerve. Ça n'a rien à voir avec un bug, mes chers amis. Concrètement, c'est vraiment le... Par rapport au boss. Ok, d'accord. Jusque-là, tout va bien. Ok, d'accord. Bon, soit je me prenais la bombe, soit... c'est assez bizarre comme pattern, hein, je vous l'accorde. Je ne sais pas de comment ça se passe de votre côté si vous jouez à ce jeu. Si vous en sortez avec brio, ou si de temps en temps, vous avez un petit peu la veine... temporal qui gonfle, n'est-ce pas? Si vous voyez ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Si vous attrapez le coup veineux. Oh, mais ce son. À chaque fois, il me fait flipper. Je me demande ce qui se passe, quoi. J'ai l'impression que l'ordinateur m'envoie un message d'erreur. C'est. Le développeur, il a pas trouvé mieux comme son. Hein. Encore? Je vous rappelle, ceci n'est pas un bug. Ceci fait partie intégrante du jeu, mes chers amis. Que voulez-vous? Faut bien évidemment. D'accord, ok. Je me laisse complètement avoir. Je n'ai plus droit à l'erreur ici. On va essayer de faire comme ça. Je sens que je vais me le prendre à son coup. Je sens que je vais me le prendre. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Jusque là, ça gère de la petite fougère. Pas de problème. Ok, d'accord. Là, il va m'avoir. Ok, d'accord, il m'a eu.
Ok, d'accord, je comprends un peu mieux son pattern, hein, pour le coup, hein. Donc du coup, je le tape sur la tête, hein, sur la caboche, puis je vais littéralement à l'opposé. Et une fois qu'il est passé deux fois, je vais dans l'autre sens, hein. Bien évidemment, on va essayer, hein, sans se prendre les mines, mes chers amis. Décidément, ce boss rassemble tout ce qu'il y a de plus négatif dans ce niveau. Ok, d'accord. Donc là, il le fait une fois. Et il le fait deux fois. Ok, d'accord. Ok, parfait. Jusque-là, ça marche. Voilà. Ok, on va faire comme ça, mes chers amis. On va essayer de garder cette cadence-là. On va voir si ça nous profite. Une fois. Deux fois. Ok, d'accord. Ah non, mais l'explosion qui fait 10 milliards de kilomètres de long et qui est pas très visible, merci. On était dans un bon timing, j'ai envie de dire. Malheureusement, on arrive un petit peu trop tôt avec la bombe. Donc, soit on arrive trop tôt avec la bombe et on se prend la bombe, soit on arrive trop tard et on se prend l'oiseau. J'ai envie de dire, c'est parfait. Y'a pas de soucis avec ça. Donc, du coup, on retryhard. Oh, ce bruit, putain, j'ai vraiment l'impression que mon toast. Que mon micro-ondes, il a bipé, quoi. Ça a rien à voir, hein, mais. Il aurait pas pu trouver un son plus agaçant, quand même. J'ai envie de vous dire. Bon. Alors, du coup, on se positionne ici. Oh, là, je vais me faire bouffer. Ah ouais, mais là, je me faisais bouffer, c'était obligé. J'avais mal géré le truc. C'était indéniable. Pourtant, il lui manque plus que deux coups. Hein, oui, bon. Vous allez me dire, c'est vrai que on est encore très très loin. Comment je vais faire? Non, mais... Ouais, mais je me prends soit la bombe là-bas au bout. Il met trop de bombes sur le côté. On va essayer de faire ça autrement, mes chers amis. On va négocier le trajet. Les boss sont assez spéciales, hein, je vous l'accorde. Donc du coup, bah oui, évidemment. Oh, ce bruit. Je vais le dire à chaque fois, mais... Je m'y sens pas prêt à chaque fois. Bien. Alors, boum. Très bien. Ok, d'accord. Voilà, du coup, on le laisse faire deux fois. Alors, une, bien évidemment. Deux, bien évidemment. Ok, d'accord. Non. Ok, d'accord, là, j'ai fait le gros teubé. Sinon, on tenait bien, on tenait la bonne cadence. Il y a à peu près ce genre de système-là à faire. Donc, du coup, voilà. Les bombes mettent quand même un petit temps à exploser. Pour le premier coup qu'on doit donner, ça va, ça passe. Après, quand il faut donner le second, là, les bombes sont réparties d'une manière encore un peu différente, vu qu'on est à l'autre bout de la pièce. Donc, il va falloir qu'on gère ça autrement, mes chers amis. Ça va, je commence à m'habituer au son, c'est bien. Bon, alors, pour le coup... Viens ici, oiseau tout vert! C'est un zombie, en fait. C'est pas le boss précédent, là, que... Genre, il est mort, et il a été ressuscité en robot. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est le deuxième. Ok, d'accord, parfait. Jusque-là, c'est comme ça qu'on fait, mes chers amis. On va voir si les bombes se placent de la même manière, parce que du coup, on lui a donné un coup pas au même endroit. En fait, il faudrait le placer convenablement, histoire qu'il se repositionne au même endroit. Ok, d'accord. Oh, ça marche. Oh, merde! Ah, la brutie! Oh, brutiche! Voilà, parfait. J'ai dit brutiche, hein, pas british, attention. Ça me fait penser juste à une musique, hein. Je la ferai écouter pendant un de mes lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me voir en live, mes chers amis. C'est pas un concert, mais... C'est simplement... Il est pas encore mort. Oh, c'est quoi cette arnaque? 4 fois qu'il faut, lui. Ah, c'est quoi, ça? Donc, en live, sur Twitch, bien évidemment, où je dessine avec vous, mes chers amis. Bon, là, t'es mort, quand même. Il faut 6 fois, hein, ouais. Vous êtes sérieux? Ah non, me dites pas que... Ah non, non, ok, d'accord. Il y a son armure qui le protège, autant pour moi, mes chers amis. Du coup, là, ça fait 4 fois, je suppose. Ah! Ah, mais je suis un teubex! Ah, il faut le taper sur la tête 2 fois. Ah. Ça, c'est intéressant, ça, dites-moi. Voilà. Et du coup, boum! Voilà, et là, ça marche enfin. Ok, d'accord. Bon, autant pour moi, mes chers amis. Du coup, on aura résisté un peu, on se met des défis, hein, tant qu'à faire. Le jeu n'est déjà pas assez compliqué comme ça. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu... De la sauce où il n'y en a pas, n'est-ce pas? Boum! Et voilà, du coup, maintenant, il n'y a plus que 3 fois à faire. Une fois à faire pour les 3. Donc là, ça fait 2 fois. Très bien. Voilà, il nous fait péter sa petite bonbon, bah, mes chers amis. Maintenant, je meurs littéralement comme un gros sac. Et c'est le GG! Voilà, du coup, bon, ça va. On s'est mis un peu plus de difficulté. Comme quoi, je me mets de la difficulté, ça marche. Je m'en mets pas, bah voilà. Donc du coup, t'es mort, hein, et tu redeviens un zombie. Enfin, t'es un zombie qui a été... tu repourris, on va dire. Voilà. Ah, donne-moi ta plume. Hop, et puis de musique du coup, une pièce supplémentaire, ça nous en fait 12, c'est chouette. Un joli chiffre.
Du coup, en plus, on a à la cerise, j'ai envie de vous dire, hein, les baies, tout ce que vous voulez. Les framboises, très bien. Donc du coup, nous sommes à 12 sur 50 et nous sommes enfin au Nouveau Monde, à la moitié de l'épisode, mes chers amis. Donc c'est très très bien. Donc oui, il y a peut-être encore 3 épisodes à avoir. On va voir ici, hein, mes chers amis. Apparemment, c'est le monde des ténèbres. World 5, très bien. Il n'y a pas de nom, hein, ce sont juste World 5. Alors, c'est tout creepy ici en tout cas. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait quoi ça? Ah, d'accord, ça se détruit. Paf, paf. Et d'accord. Ouais, ce cube-là est d'une autre forme. Bon, hop, d'accord, ok. J'allais rebondir malencontreusement. Wow, wow, wow! Même eux, ils sont zombifiés. C'est quoi cet endroit? D'accord. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres oiseaux? C'est pas de leur faute, en fait, ces oiseaux, s'ils sont comme ça. Ok, d'accord. La cadence. Ah! Brah! Ça ne va pas, ça! Wow, même lui, il crache, au fait. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, d'accord. Y'a pas de souci avec ça, mes chers amis. Ah, d'accord. Non, mais je dois vraiment aller par là, au fait. Ah, mais il revit, lui, au fait. Ok, d'accord. Ah, pas de soucis. Ah, d'accord, tu recraches une deuxième fois. Au revoir. Bon, je suppose que tu reviens à la vie. Parce qu'à mon avis, tu es une sorte de zombie. Oh, je suis complètement stupide, là. On va vite remonter avant qu'il ne revienne à la vie. Ah, des canons, tiens. Apparemment, on a repris tous les éléments de l'autre monde. Ah oui, bon, ça, faut m'expliquer un peu comment je fais. Alors, à moins d'avoir un bouclier avec moi. Qui est très bien. Bon, du coup, on va continuer, hein. On va repasser là. Ah, bonjour. 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 Je vous dis au revoir. Par contre, là, j'ai plus rien. Ça rebondit à mort. Ok, d'accord. Ok, waouh, waouh, waouh. Wow, what the fuck, man? Ok, d'accord. Les boules de feu qui suivent à une si belle cadence que finalement, c'est impossible de passer à moins de se prendre le dégât. Du coup, ici, j'ai quoi? Ah, j'ai le bouclier et les framboises. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, on va passer en vitesse. Ah, mais non, j'ai plus les framboises. Ah, c'est con, ça. J'avais pas les framboises, là, quand ça va enregistrer. C'est quoi, cette arnaque? Ah, non, mais... Oh là 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 là, mes chers amis. Bon, oui, mais je sais pas, au fait, là, parce que... Quand l'hôtel descend, l'hôtel monte. Donc, vous me direz comment je fais pour passer. Ok, d'accord, je me suicide. Parfait. On peut pas faire mieux. C'est un jeu diabolique un peu dans son sens, hein. Je sais pas par qui il a été créé, mais c'est assez sadique, j'ai envie de dire. Si bien évidemment je sais par qui il a été créé, son nom est indiqué de toute façon sur l'écran et dans le lancement du jeu. Mais au fait, c'est aléatoire les. Ça prend des. Et d'accord. Ah, oh, bravissimo, bravissimo. Et ici je me prends le boulet, hein, comme ça c'est bien. Comment je vais faire, moi? En fait, il faudrait que je... Ouais, je vais dasher maintenant. Parfait! Bon, c'est bien, ça! C'est parfait, ça! Ah, ici, il y a une scie. On va essayer de pas se la prendre. Je sais pas ce qu'elle fait. Pas de problème avec ça, mes chers amis. What the fuck? Je me suis pris son truc ou quoi? Non, mais... Je veux bien que ça rebondisse, hein. Déjà, expliquez-moi comment des cailloux comme ça peut faire rebondir quelqu'un. À moins qu'il soit fait en chewing-gum. Très bien. Bon... Alors, du coup... Oh non... Mais c'est quoi cet endroit? Laissez-moi tranquille! Laissez-moi vivre, laissez-moi passer! Tu tombes, toi? Oh, ouais, bien évidemment, tu tombes. Oh, bravo, merci. Oh, et puis, il y a ce genre de passage. Oh, c'est quoi, ça? Ok, d'accord. Bon, ah, on est passé. Et en plus, il y avait un boulet, là. Il y avait un canon. Il y avait un canon. Bon, du coup, voilà, hein, monde 5, monde 2 sur 5, bien évidemment. Enfin, on vient de faire le 1 sur 5, donc du coup, maintenant, on rentre dans le donjon. Je n'ose imaginer ce que va être le donjon, mes chers amis. Hein. Je crois que ça fait un an que j'ai pu jouer au jeu, là, maintenant. Hein, on va fêter l'anniversaire qu'on a pu jouer le jeu. Waouh, ça a passé de près, là, quand même, je tiens à le dire. Bon, j'ai un bouclier avec moi, mes chers amis, donc c'est bien. Ok, d'accord. Putain. What the fuck, oh. Il y a même ça, quoi. Oh là là. Ouais. Elles font des bruits sympas, quand même, les pointes. Hein. Bon, il y a même un pigeon, là. Ok, d'accord. Bon, il nous laisse le temps de passer. Et ici, il faut passer par là. Non, rien à voir. Ok, d'accord. Ah, oh. Ah, non. Au secours. Il y a trop de trucs. Tiens. Et tiens. Tiens, toi aussi.
épisode, ouh, tout juste, hein, mes chers amis. On va montrer un peu de skill ici, hein, non mais. Je dis ça et je vais mourir là maintenant, tu sais. Oh oh, ce piège à... Hopou ! Je n'irai pas le nom. Et d'accord, parfait. Jusque-là, tout va bien, mes chers amis. Ah, et ça, on fait comment pour le péter ? Ok, d'accord, autant pour moi. Bon, y'a pas de souci avec ça, mes chers amis. Ce donjon, on va le réussir d'une main de maître. Tiens, meurs. Que tu sois mort ou pas, maintenant t'es mort, de toute façon. Donc il n'en est plus question. Je vais vous dire, heureusement, je ne fais pas le jeu à 100% pour le coup. Sinon, ça aurait été chaotique, hein. What the... Ah, il est rouge, lui. Il est deux fois plus fort. Là, je ne vois rien. Alors, YOLO. Oh. Heureusement, j'ai pas tant YOLO que ça. YOLO que ça. YOLOLOLO. Bon, alors donc, du coup, hop. On évite les flammes. Les flammes. Et on est à la fin, et... C'est... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On peut monter là ? Oh. Oh. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah, une pièce secrète. Une pièce d'or. Très bien. Ça, c'est pas fantastique, ça. Bon, on va la prendre, mes chers amis. Hein. De toute façon, on en aura bien une 14e, une 15e, une 16e, pourquoi pas. Donc, finalement, bon, en soi, on remplit un peu le jeu. De toute façon, il y aura aussi la pièce du boss. Donc, dans tous les cas, c'est plutôt bien. Hop, pêche et niboutan. Et on continue, mes chers amis. Il nous reste encore un petit bon 4... 4-10 minutes ensemble, mes chers amis, pour cet épisode. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, hein. On est encore là ensemble pour un petit moment. Hein. J'espère que ces épisodes vous plaisent quand même. Je sais que WeBeatBoy n'est pas très regardé sur la chaîne. Bon, ce n'est pas bien grave, mes chers amis. Après tout, je fais ça pour l'amusement. Donc, moi, tant que ça m'amuse et vous, tant que ça vous amuse. Pour ceux qui regardent, franchement, c'est pas mal. Il n'y a rien qui peut me contenter plus que ça, d'une manière, j'ai envie de vous dire. Je sais que Tombi a l'air d'être quand même pas mal regardé aussi, hein, entre guillemets, hein, pour ce que j'ai sur la chaîne, donc c'est plutôt satisfaisant. Pour ce qui est... Ah, j'ai les murs. Après, un let's play qui a fort bien fonctionné, bien évidemment, c'est... c'est WeBeatBoy. Oui, bien évidemment, c'est celui que je dis qui a le moins bien fonctionné. Celui qui a le mieux fonctionné, c'est Adventure Time, mes chers amis. Ça, je sais pourquoi, hein, une bande de petits fripons. Oui, bon, c'est pas mal, hein. On va quand même... Ouais. Arriver à... Comment je vais vous dire... Au prochain let's play. Donc du coup, je ne sais pas, en fait, ce que je voulais en venir, c'est que je ne sais pas combien ça fait de let's play en tout que j'ai fini sur la chaîne. Je crois que ça n'en fait pas des masses, au fait, hein. Il y en a qu'un qui a réellement été fini, puisque Adventure Time, il faut pas le compter tel quel. Adventure Time, c'est un let's play qui est encore en cours, mes chers amis. Il est juste mis en pause parce qu'on n'a pas encore eu les mises à jour qui font que le jeu est complet. Donc du coup, on est obligé d'attendre pour le moment, donc le jeu n'est pas encore terminé. Donc pour moi, ce n'est pas un let's play terminé, malgré les mises à jour que je termine. Ok, d'accord. Parfait, nickel. Oh, mais ça va, ça s'arrange, hein. C'est le dernier monde et ça a l'air d'être celui sur lequel je cale le moins. Comme quoi, vous voyez. Voilà. Donc finalement, le premier let's play qui a réellement été terminé, moi, je pense que c'est Wario Land, hein. Oui, c'est ça, c'est que Wario Land. C'est plutôt pas mal. J'hésite d'ailleurs... après Tombi, on est encore très très loin de le terminer, hein, mais bon, je vous fais un petit blabla comme ça de... Ouais, bon, j'étais obligé de me le prendre, hein, pas de soucis avec ça. De la chaîne, mes chers amis, hein, je fais une petite mise au point comme ça, j'avais envie d'en parler comme ça. Ok, d'accord, je me demandais ce qui s'était passé. Ah, ça c'est intéressant, dites-moi. Oh, une plante. Comme quoi il existe de la végétation dans ce monde déprimant. Très bien. Donc du coup, ça va m'aider. Ok, très bien. Très bien. Parfait. Et donc du coup... ça me faisait penser, mes chers amis... Oh, d'accord, ok, j'ai pas sauté assez vite. Bien, c'est pas grave. On recommence. Très bien. Parfait, ça. Qu'est-ce que je disais-je ? Bon, on revient ici, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il donne toujours un bouclier, donc c'est plutôt chouette. Voilà, finalement, il n'y a que Wario. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tombi est encore loin d'être terminé, mes chers amis. Comme let's play... Bon, ce suit à une cadence tellement dégueulasse que je suis obligé de faire ça. Tombi est encore loin d'être terminé, mes chers amis. Voilà, il y a eu ce moment de pause. Que ce n'est pas encore le moment pour moi de vraiment dévoiler le véritable let's play qui va arriver après. Mais quoi qu'il en soit, je peux...
Ah, allez, je sais pas passer dedans. Voilà, merci. Ouais, j'ai dû quand même me prendre un coup, c'est complètement déplorable. Donc du coup, c'était pas encore maintenant que je vais vous dire le réel let's play qu'il pourrait avoir après Adventure Time, bien évidemment. Mes chers amis, ça aurait été bien que je puisse savoir... Et d'accord. Bon, ça va, tout passe. Mais soit j'ai envie de vous faire déjà la suite de Wario. C'est peut-être un peu rapide. Waouh, y'a que des trolls ici, mes chers amis. What the fuck, il est excité. Tiens. Et j'avais soit envie de vous faire du Wario, hein, la suite de Wario, hein, légitime, Wario Land 2. Bien évidemment, mes chers amis, il sera fait à 100%. Car moi, les Wario, je compte les faire à 100%. Peut-être pas tous. Sans doute, beaucoup de Wario seront faits à 100%. Le 3, je pense vous le faire à 100% aussi. Alors le 3, ça risquerait d'être marrant, parce que c'est pas celui qui détend le plus, hein, le 3, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai encore regardé un pote faire un let's play dessus il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il est très 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 compliqué, et franchement c'est très difficile. D'ailleurs félicitations à lui d'avoir fini le jeu, parce que il faut en avoir du courage. Ce Wario Land 3 n'est pas celui qui donne le plus envie d'y jouer, même s'il y en a beaucoup qui l'ont aimé, je sais. Ce n'est pas le plus mauvais. Alors, enfin, c'est pas le plus mauvais. Si on considère finalement, c'est quand même le Wario qui demande le plus de difficultés. Entre guillemets, on pourrait considérer que c'est le plus mauvais. Cependant, je flotte dans le vide. Cependant, c'est pas mon préféré non plus. L'histoire est plus ou moins bien, oui, entre guillemets. Enfin bon, c'est un Wario, quoi. Ça change quand même un petit peu des Wario Land 1 et 2. Mon préféré, évidemment, c'est toujours le Wario Land 1, ça c'est évident, ça c'est celui qui m'a marqué le plus, hein. D'ailleurs, je voulais faire un let's play complètement à 100%. On n'a pas eu l'ultime château, mais peut-être, mes chers amis, que dans une vidéo hors série que je vous ferai prochainement, je vous montrerai qu'est-ce qui arrive quand on est à 100% du jeu. Et voilà, il fallait que je me prenne ça parce que ça rebondit in vitam aeternam. Ok, d'accord, décidément, ça avait envie de me troller jusqu'au bout. Tiens, on va te stopper. Oh non! Et en plus, ça rebondit ici avant. What the fuck, man? Ok, d'accord, parfait. Et donc, du coup, je vous montrerai une petite vidéo qui permet de voir qu'est-ce qu'on obtient réellement comme trésor. Et en même temps, je vous montrerai un cheat code, mes chers amis. De toute façon, vous avez été témoin tout au long du let's play que je n'ai pas cheaté. Puisque à chaque fin, vous voyez bien évidemment l'argent monter, hein, au même créneau. Hein, l'une à la suite de l'autre par rapport à l'épisode précédent, mes chers amis. Et donc du coup... Non ! Oh putain, comment j'allais faire là ? Bon. Et donc du coup, il n'y avait pas de cheat. Par contre, je connais un petit code secret qui était sur la Game Boy. C'était un pote qui me l'avait montré, hein, simplement quand j'étais gamin, quand on était en classe de neige. Et nous étions en classe de neige et au fait, je jouais à Wario. Et lui, il m'a montré comme ça un petit cheat code qui était très facile, que je ne vous dirai pas maintenant. Et bien évidemment, je vous le montrerai pendant le hors-série. Et je pense d'ailleurs, mes chers amis, que ce hors-série, je vous le ferai la semaine prochaine. Donc si vous avez envie de savoir à quoi ressemble le château ultime de Wario Land 1, vous verrez ça. Mais je suis plutôt assez content du résultat que j'ai eu... Ok, d'accord, y'a pas de soucis avec ça. Je suis plutôt assez content du résultat que j'ai eu dans le Wario Land 1, mes chers amis, au niveau du château. Parce que le château qu'on a eu à la fin, hein, donc nous tous ensemble, ici sur le let's play que nous avons fait ensemble, mes chers amis, car c'est avec vous je le fais. Ok, d'accord, y'a pas de soucis avec ça. Bon, waouh. Donc du coup, que nous faisons ensemble, bien évidemment, c'est, comment j'allais vous dire, le château qui est le plus représentatif du Wario Land 2. Donc jusque là, il n'y a pas de problème avec ça. Donc du coup, c'est ce qui est le plus fidèle pour faire la transition vers la série 2. Donc c'est plutôt bien. Je suis plutôt assez content de moi. Parce qu'à vrai dire, j'aurais eu le château ultime, mes chers amis. Ça n'aurait pas du tout eu de logique par rapport au Wario Land 2. À moins qu'on considère... What the... Hey, je fais ça comment, là? Ouais, non, mais attends. Ouais, fallait que je m'abaisse, en fait. Bon, l'épisode durera un peu plus longtemps, mes chers amis. Comme d'habitude, on déborde sur du... Bien évidemment, 30 minutes. Hein. On commence à me connaître à ce niveau-là. Hop, touc. Et donc, finalement, comment j'allais vous dire... Oh non, je suis con, là, j'ai ripé. Bon, allez, hop, on se remet. On y va dardard, mes chers amis. Hein. C'est toujours le dernier level de l'épisode sur lequel je cale. Je sais pas pourquoi, hein. C'est une tradition, on va dire comme ça, pour que ça marche bien. Hein. Et que donc, finalement... D'accord, je fais le con, Philippe. Oh, je m'enfuis.
Ok, d'accord, bon. Je vais laisser avoir comme un rat. Et donc, finalement... Par contre, je suis débile. Voilà, c'est mieux. Utilise les objets qu'on te donne, mon vieux. Hein, ça marchera peut-être mieux. Bon, voilà. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont dû rager derrière leur ordinateur en se disant « Ah, mais pourquoi il n'utilise pas son item ?» Vous avez raison, les gens. Vous avez raison. Vous avez raison, mes chers amis. Rager. Car, comme atomé, je ne l'ai pas utilisé. Hein, c'est tout à fait normal. Du coup, je l'ai même déjà utilisé pour de bon. Puisqu'il ne fait plus partie de mon stock. Hein. Voilà. Et voilà, et donc si on considère que dans Wario Land 2, on peut littéralement dire oui que Wario possède, c'est même plus des hectares à lui tout seul, mais je ne saurais dire combien exactement de parcelles de terre, hein, finalement, littéralement ce n'est plus simplement l'île de la Reine des Pirates qu'il a obtenue. Ah, apparemment, on pourrait considérer ça encore beaucoup plus grand. What the... What the... Ok, d'accord. Oh non, quel troll de... Oh, putain. C'est vache, ça. Je devais aller par là, alors. Ah, et... Sinon, je le devinais quand... Wow. D'accord, eux, ils étaient fusionnés. Ah, ce monde me fait peur. Et la sortie était là, mes chers amis. Moi, j'y saute d'un coup. Voilà, je rentre même hors de l'écran. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va clôturer cet épisode pour aujourd'hui, mes chers amis, qui aurait été, plus ou moins bien et bien, oui, tout à fait, oui. Entre les deux, j'ai envie de vous dire. Très bien, push any button, car nous n'allons pas oublier d'enregistrer avant de nous enfuir comme des vieux rats. Et voilà. Donc du coup, vous savez plus ou moins ce que je compte faire sur la chaîne après. Bien évidemment, après Wii Beat Boy, je pense que je vous ferai soit du Pokémon ou de Stella Overload. Il y a encore pas réellement de gens qui me l'auraient suggéré, donc je pense que je me fais une petite idée sur ce que je voudrais faire après 8 Bit Boy. Donc voilà. Et voilà, mes chers amis, c'est sur ce monde 6 sur 5 hein, qu'on va terminer cet épisode. Hein. Merci de m'avoir suivi sur cet épisode. L'épisode 7 ou 8, hein, je crois. Hein. Bon, bref. Hein. De toute façon, le chiffre est noté, il n'y a pas de souci avec ça, mes chers amis, je n'ai pas le YouTube sous les yeux. Dans tous les cas, en tout cas, on se retrouve ce samedi. Alors là, c'est pour l'épisode 10, hein, je crois, de Tombi, hein, je m'y perds un peu, mes chers amis. Épisode 10 de Tombi, où du coup, nous grimpons sur le dos du phénix et nous allons aller à un endroit bien spécial, mes chers amis. Les tam-tams vont cogner sur ce genre d'endroit. Hein. C'est, pour ceux qui connaissent, ils se doutent peut-être de ce que c'est. La musique, on dit beaucoup. Hein. C'est une atmosphère assez tribale. Si vous ne suivez pas le Let's Play sur Tombi, on se retrouve lundi, mes chers amis, pour l'épisode spécial de Wario Land 1, où je vais faire l'ultime château et je vais vous montrer le cheat. Hein. Puisque, évidemment, je ne vais pas refaire le jeu en une journée et je ne sais pas comment je pourrais vous le faire. Hein. Hein, de toute façon, ça prendrait... je ne sais pas combien d'heures pour vous le faire. Donc du coup, je vais reprendre la sauvegarde, la dernière sauvegarde où j'étais. Hein, si je l'ai encore, normalement. Si pas, je vous montrerai le cheat, et je vous reprendrai, littéralement, une fois qu'on aura terminé, de mon côté, le cheat en question. Hein, puisque là, honnêtement, c'est pour vous montrer quel est le château à la fin, donc c'est normal que je cheat un peu. Hein, c'est juste une histoire de vous le montrer, puisque le jeu a été fait en bonne et due forme, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir le let's play. Il a été fait dans les règles de l'art. Hein, j'ai tout obtenu, tous les trésors et toutes les pièces qui traînaient dans le coin. Donc du coup, on a eu le château. Et je vous montrerai alors, dans tous les cas, lundi, à quoi ressemble le véritable château de Wario si on a obtenu... Alors c'est 9999 000, etc. pièces. Hein, la somme la plus totale du jeu. Plus tous les trésors, bref. Dans tous les cas, et si vous ne regardez pas cet épisode spécial, ou si vous l'avez regardé, mes chers amis, merci à vous. On se retrouve mercredi, donc du coup, alors là, c'est pour l'épisode 8 ou 9 hein, de Wii Beat Boy. Hein. Je pense que ça sera l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, dans tous les cas. Et bien voilà, mes chers amis. Sinon, dans tous les cas, on se retrouve au prochain épisode. Jusque-là, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.